Moi, j'ai juste une question à Martin. Je fais les questions maintenant. Ouais. Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les mondiaux? Vous savez, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, la personne qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je le disais, puisque moi, au contraire, j'ai pu et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ? Je leur réponds très simplement, c'est ce goût. Ce goût donc de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner un relais avec les copains. Et demain, qui sait, peut-être à le faire en championnat du monde. Il y a une belle référence derrière tout ça. On sait, Martin, je crois savoir que ça fait un petit moment que ça vous trottait derrière la tête de la sortir. C'est pas vraiment du jeu, j'aurais rêvé que le journaliste me pose cette question en carrière. Et comme ça venait pas, a priori Carlito doit penser que je vais finir ma carrière la semaine prochaine. Et du coup, il me l'a posé, donc voilà, c'était un petit clin d'œil.